Ou qu'on a une question à poser, monsieur, maintenant. Est-ce qu'on t'y a baptisé? Est-ce qu'on bébé a baptisé? Soit pensé de ça. Corrigez ton commentaire pour moi, dis-moi, soit pensé de ça. Pendant, on peut l'aborder dans la chaîne, là, m'a retourné. Hey, bienvenue. Je suis content de recevoir, je suis content d'avoir encore une fois sur l'évangile des compliqués. Objectif, c'est toujours porter pour l'évangile très très simple, sans aucune complication. La question à répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un petit monde qui a baptisé? C'est une question vraiment intéressante parce qu'en pile fois, l'Église catholique baptisait petit monde, ou bien nous-mêmes, tout, qui chrétiens, nous-mêmes qui protestants, nous-mêmes qui l'Église, en pile fois, nous utilisons le thème ça. Pas de façon correcte, mais nous utilisons le baptême petit monde. Bon, est-ce qu'un petit monde a baptisé? Si nous regardons bien dans l'histoire de la parole de Dieu, là, pour Jésus était présenté au temple. Le baptême, c'est un bagage qui est fait en bas de l'eau. Vous devez plonger totalement en bas de l'eau. Il n'est pas fait avec un petit de l'eau vide sous tête, etc. Vous devez plonger totalement. Si vous songez bien, vous songez Jean-Baptiste qui était comme baptisé, mon Dieu, lui-même qui baptisait Christ. Il a dit que le baptisé dans la rivière. Il n'est pas baptisé non côté de l'eau ou bien non vers de l'eau, non, dans la rivière. Donc, si le baptême n'a pas nécessité pour le faire dans la rivière, c'est parce que tu as besoin de pile de l'eau, parce que c'est totalement en bas de l'eau. Ok, est-ce que tu as un monde qui a baptisé? Vous songez dernièrement, le nous t'a dit, le nous t'a parlé de baptême, nous t'a dit, baptême, non, c'est résultat, yon acte. Le nous dit résultat, yon acte. On a regardé par exemple dans Marc 16, dans Acte chapitre 2, dans Acte chapitre 8, on a remarqué que chaque monde qui était baptisé, le texte a dit que le monde a été croyé dans la parole là, et puis il a été baptisé. Donc, pour un monde baptisé, il est évident pour le monde croyé dans la parole là. Il doit tendre la parole de Dieu, il doit avoir une capacité non seulement pour le tendre, mais pour l'assimiler, pour le comprendre la parole. Ça. Et puis, compréhension de la parole, ça prend le fait que le prend une décision pour le baptiser. Au sens dernièrement, on a dit de façon très simple, définition pour baptême, c'est un acte public qui témoigne une décision en particulier, une décision en privé. Eh bien, et pour mon baptiser, mon a fait acte public ça à partir de décision que mon ça te prend en privé. Qui décision? Décision pour le marcher à Christ, décision pour le croire en le Seigneur. La grande question c'est est-ce que un petit monde a capacité non seulement pour l'entendre mais pour l'assimiler et puis pour le gagner compréhension à partir de la parole de Dieu. À partir de quel âge que un petit monde qu'a assimiler, qu'a entendre, qu'a comprendre la parole de Dieu? Parce que pour baptiser, l'important pour recevoir la parole là, attendre la parole là, comprendre la parole là, croire dans la parole là, croire dans le Seigneur. Et à partir de là, on prend décision publiquement pour témoigner décision que tu es en train de privé. Est-ce que vous pensez qu'on a fait ça? C'est ça qui fait que nous ne sommes pas établis à partir de quel âge que l'on a baptisé. Parce que le baptême, c'est à partir de la capacité que l'on a pour le raisonner, pour l'assimiler, pour le comprendre et puis pour le prendre décision. Si tout le monde a 8 ans, il tende, il comprend, il assimile la compréhension ça, et puis il prend décision, félicitations. Si tout le monde a 10 ans, félicitations. Comme ça, tout le monde a 50 ans, c'est la première fois qu'il tende la parole, c'est à partir de là qu'il va le baptiser. Comme ça, tout le monde a n'importe 40, 50 ans dans l'église, c'est toujours tende, mais pourquoi j'aime comprendre, et puis pourquoi j'aime baptiser. Comprendre? Qui donc, est-ce que tout le monde a baptisé? Un bébé, catégoriquement, pas baptisé parce que il n'a pas de capacité ou bien il n'a pas de capacité pour développer compréhension à partir de la parole de Dieu. Un adolescent, il y a un monde qui a une capacité pour développer compréhension, ça, oui, il est baptisé. Mais un bébé, malheureusement, bébé a pas développé capacité de compréhension qui donc il n'est pas baptisé. Il n'est pas qu'à prendre décision pour le baptiser. Parce que le baptême, dans son décision qu'on prend, qui pourra le mettre en public, qui pourra le témoigner publiquement, il y a un bagage qui t'est passé dans le cœur, une décision qu'on t'est prend dans le passé ou bien dans quelques temps de cela, en particulier en privé. Est-ce qu'un bébé qui prend décision ça? Pas quoi ça. Qui donc? Il y a un bébé pas baptisé. C'est ton plaisir pour me d'avoir aujourd'hui. Abonnez à la chaîne, qui ton commentaire pour moi, qui ton like pour moi. N'importe quoi. Une prochaine fois pour me répondre à l'autre question. Bon Dieu bénis. À la prochaine.